L'ascenseur de Petit Paresseux. Petit Paresseux habite tout en haut d'un grand arbre. Il ne quitte presque jamais sa maison. Il fait drôlement chaud aujourd'hui. Et si j'allais me baigner? Petit Paresseux commence à descendre tout doucement. En chemin, il rencontre ses amis, les aigles. Tiens, Petit Paresseux, où vas-tu comme ça? Je vais prendre un bon bain. Bonne idée, nous allons nous baigner nous aussi. D'un coup d'aile, les aigles arrivent en bas de l'arbre. Petit Paresseux, lui, descend tout doucement. En chemin, il rencontre ses amis, les écureuils volants. Tiens, Petit Paresseux, où vas-tu comme ça? Je vais prendre un bon bain. Bonne idée, nous aussi on y va. Et hop, les écureuils volants sautent jusqu'en bas de l'arbre. Petit Paresseux, lui, descend tout doucement. En chemin, il rencontre ses amis les singes. Tiens, Petit Paresseux, où vas-tu comme ça? Je veux prendre un bon bain. Bonne idée, on va se baigner avec toi. Et en un clin d'œil, les singes courent en bas de l'arbre. Petit Paresseux, lui, descend tout doucement. En chemin, il aperçoit des fruits. Miam! Mais au moment où Petit Paresseux va en cueillir un, il glisse. Ouah! Au secours! Au secours! Au secours! Qu'est-ce que j'ai eu peur? Les petits paresseux. Puis ils se mettent à nager tranquillement avec tous les animaux. Ça rafraîchit de se baigner. On s'amuse bien dans l'eau. Bientôt, le soleil se couche. Tous les animaux se dépêchent de rentrer chez eux. Petit paresseux, lui, remonte dans son arbre tout doucement. Son ami l'éléphant lui dit: je peux t'aider à rentrer plus rapidement chez toi, si tu veux. D'accord. Prêt? Oui. 1, 2, 3. Et hop, en un clin d'œil, Petit Paresseux arrive chez lui. Youhou!